Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie-Lou. Alors, Michel a souhaité que je fasse un tirage sur les ovnis pour changer un peu, hein, faisant un tirage, bon, que je vais mettre dans la classe catégorie Space, hein, parce que voilà, beaucoup en voient, on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai trouvé que c'était intéressant pour un petit peu changer, hein, du contexte de ce confinement, voilà. Alors, je vais faire ce tirage, merci Michel. Donc, c'est ces choses qu'on voit dans le ciel, ces ovnis, que sont-ils? Est-ce que c'est des choses inconnues? Que sont les ovnis, hein? Donc, ovnis, objets volants non identifiés, hein? Alors, que sont les ovnis? Que sont les ovnis? Est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est des satellites faits par les hommes? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Hein? Donc, je pose la question, que sont les ovnis, objets volants non identifiés dans le ciel de notre Terre, hein? Que sont les ovnis? Alors, tiens donc, il y a l'échelle. C'est une progression. On va dans le ciel, peut-être, avec l'arbre mort. D'accord, alors on progresse pour se détacher de quelque chose. Alors, mystérieux, hein, cette coupe. Il y a la hache. Donc, c'est un achèvement avec la crue. La crue, c'est un débordement. Il y a la forêt, ça c'est le côté mystérieux, hein, on ne sait pas. Avec la flaque. La flaque, c'est du stress. Il y a la grange. Alors, la grange, c'est un patrimoine avec l'ouverture, hein, qui est une opportunité. Que sont les ovnis? Alors, la coupe me dit que c'est une progression pour se détacher de quelque chose. Voilà. C'est quelque chose qui termine une sorte de débordement. Il y a des choses cachées qu'on regrette. Il y a une opportunité, une ouverture. Alors, est-ce que c'est un tunnel spatial? Je ne sais pas, hein. Je vais éclaircir. Alors, je vais éclaircir la forêt. Parce que, disons, ça représente bien les ovnis, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a l'œuf. J'éclaircis encore l'œuf. Il y a le seau. Le seau, ça pourrait être une façon de faire. Alors, est-ce que l'œuf, ça représente ces ovnis? Il faut voir symboliquement, hein, pour les tirages Space. Je vais encore éclaircir le seau. Il y a la lanterne. C'est motivé par quelque chose que l'on souhaite vraiment. Que sont les ovnis? C'est quelque chose qui est fait secrètement par un but pour un accomplissement. C'est un projet à établir, à concrétiser. Alors, je vais éclaircir la flaque. C'est quand même stressant. Il y a la pie. Alors, la pie, c'est un sentiment de perte. Et on a peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a peur de perdre? J'éclaircis la pie. Il y a les orties. C'est irritant. J'éclaircis encore les orties. Il y a la rose. La rose, c'est un épanouissement. Alors, on a du stress de perdre et d'être contrarié pour un épanouissement ou la réalisation donc de ce qui est demandé, qui est souhaité de faire. C'est encore très mystérieux, hein? Alors, je vais éclaircir la hache. Il y a la campagne. La campagne, c'est... On n'est pas là.
J'éclaircis encore la campagne. Il y a la plume. La plume, c'est dans les airs. Ça pourrait représenter peut-être l'ovni, hein? Alors, la hache, c'est quand même une rupture définitive. Pour éviter un débordement, sont pas là. Alors, j'éclaircis la plume encore. Il y a le labour. C'est de l'activité. Oui, et qu'est-ce qu'ils font en fait? Je vais encore éclaircir le labour. Il y a le nid. Le nid, en fait, c'est l'endroit où ils sont. Bon, je vais éclaircir la crue. Alors, je me suis lancée dans un truc, hein. La crue, il y a la pêche. Alors, on attend de voir. C'est peut-être de l'observation qu'ils font. Alors, la crue, c'est à la base une carte où on n'arrive pas à contrôler. Voilà, il faut se recentrer parce que, voilà, il y a la rivière qui a débordé de son lit et ça, voilà, on ne peut pas gérer ça. Et ça, c'est en observation. Alors, pourquoi qu'ils observent ça? Il y a la clé. C'est une solution. En fait, ils observent des débordements. Mais alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme débordement, hein. Alors, c'est. Alors, la hache, il faut regarder symboliquement, hein. La hache, elle coupe deux morceaux de bois. Donc, de un, il y en a deux. Donc, si on veut, ça peut être un monde séparé, hein. Mais ça a été fait, on dirait, délibérément. Donc, c'est un autre monde. La campagne, on n'est pas là, hein. C'est-à-dire que ils sont pas présents sur Terre. Ils sont dans l'air, mais il y a de l'activité. En fait, ils font quelque chose ensemble. Si je considère que le nid, c'est l'endroit où ils résident, hein, ces ovnis, ils sont là pour faire quelque chose. Je sais toujours pas quoi, hein. Alors, je vais éclaircir le nid. Il y a la croix. Alors la croix, c'est passage d'un plan à un autre. On dirait que les ovnis viennent d'une autre dimension. Déjà par la hache, hein, voilà, il y a deux mondes différents. Et la croix, on transcende quelque chose. En fait, leur domicile, si je peux me permettre de dire ça, c'est dans une autre dimension. Mais ils sont là pour travailler. Faire une certaine activité. Ça, je ne sais pas encore pourquoi, hein. En fait, ils observent, mais ils sont là passifs, ils observent juste, hein. Leur travail, c'est d'observer quoi? La crue, symboliquement. Alors, je vais reprendre cette carte. Débordement de quoi? Voilà, quand la rivière monte et qu'elle déborde sur les rives. On l'observe, c'est vrai qu'on ne peut pas gérer la nature, hein. Alors, est-ce qu'ils observent nos débordements à nous? Bah, dans quel but, je veux dire, on ne les nuit pas, puisque eux, ils sont dans une autre dimension. Je ne comprends pas trop, hein. Alors, c'est secret, parce qu'il y a. Donc, pour moi, l'ovni, c'est la plume, hein, c'est pas l'œuf. C'est secret parce qu'il y a un protocole pour un nouveau projet que eux vraiment voudraient se voir accomplir. Alors l'œuf, il y en a deux, hein. Alors c'est quoi ça? Je vais encore éclaircir la lanterne. Il y a la fourche.
Oui, c'est en fait un projet bien délimité que eux ils ont élaboré, mais c'est fait secrètement. J'aimerais bien savoir ce projet, ce que c'est. Mais ça les stresse parce qu'ils ont peur peut-être d'être découverts, je sais pas, hein. Ça pourrait vraiment contrarier leur épanouissement à eux. Si je considère que la rose, c'est un bien-être, hein, leur bien-être, c'est que leur projet, là, qu'ils veulent voir accomplir, se réalise. Je ne sais toujours pas ce projet. Alors, il y a l'ouverture. Alors, l'ouverture, ça pourrait être le passage d'une dimension à une autre. La grange, c'est un patrimoine. Bon, ça pourrait représenter leur patrimoine à eux, c'est quelque chose de concret. Je vais éclaircir la grange. Il y a la tour. La tour, c'est quelque chose de plus costaud que la grange, hein, quand on regarde. Hein, elle est bien érigée, on est bien protégé. On est aussi, cette tour veut indiquer qu'on observe. Donc, ils sont là en fait pour observer. Alors je vais encore éclaircir la tour. Il y a le blé. Le blé, c'est un enrichissement. Ça peut aussi être le résultat de ce qu'ils font. Ils veulent récolter quelque chose. Parce que la grange, on récolte aussi, hein. On récolte le blé et on le met dans la grange, symboliquement. En fait, ils sont là peut-être pour voir s'ils peuvent stocker des informations ou des choses sur Terre. Hein. Je ne sais pas, hein, j'extrapole. Alors, je vais éclaircir l'ouverture. Alors, il y a des cartes qui ont glissé, excusez-moi. Il y a les anneaux. Ça, c'est un partenariat. J'éclaircis encore les anneaux. Alors, toutes les cartes se sont un peu défaites. Il y a la Lune. La Lune, c'est une planète, hein. Alors, je suis pas persuadée que, ils veulent faire un partenariat avec nous, terriens, hein. J'ai l'impression que c'est autre chose. Alors, je vais encore éclaircir la lune. Bon, c'est un tirage space, hein, voilà. Hein, je traduis selon mon ressenti le symbolisme des cartes. Alors, je vais prendre celle-là. Il y a le taureau. Le taureau, c'est de la force, c'est aussi de la bonne, de la vigueur, de la bonne santé. Alors, que sont les ovnis? Que sont les ovnis? On dirait que les ovnis sont là pour améliorer quelque chose qu'ils n'ont plus avec l'arbre mort. Il y a quelque chose qui est devenu stérile et ils essayent, voyez, avec l'échelle. L'arbre, là, il est plus mort, hein, il porte des fruits. Il y a ce symbolisme-là. C'est comme si, chez eux, en considérant que c'est des extraterrestres, hein, ceux qui conduisent, ces ovnis, c'est comme si chez eux, il n'y a plus à manger avec l'arbre mort, là, et que, sur Terre, ou je sais pas, ils doivent se nourrir de quelque chose. D'autant plus qu'il y a le blé et la grange, là, hein. Alors, ces ovnis, c'est d'une autre dimension, mais à la base, si on regarde le symbolisme, la bûche était entière. C'est la hache qui a coupé la bûche pour faire deux morceaux. Donc, est-ce qu'à la base, ils étaient sur Terre? Je ne sais pas. Hein. C'est une possibilité. Donc, si on veut, c'est un autre monde. Où ils sont absents.
Avec la plume, c'est pour moi les ovnis. Hein. Ils font une certaine activité productive pour leur famille à eux. Hein. Pour transcender quelque chose où cette famille vient d'un autre plan, d'une autre dimension. Ils observent. La seule solution pour eux, c'est d'observer une sorte de d'excès. Je ne comprends toujours pas la signification de la crue. Hein. Parce que, comme dit, quand une rivière déborde, l'observer, ça ne nous apporte pas la solution. Vous voyez, je vais peut-être encore éclaircir la clé. Il y a la grotte. La grotte, on est caché. Hein. Ils observent secrètement. Ils observent secrètement. Alors là, creux, je regarde le symbolisme. Alors il y a aussi des arbres. Hein, quand on regarde la coupe, l'arbre mort. Alors est-ce que c'est un excès d'abondance, puisque l'eau, quand elle déborde, il y en a beaucoup. Peut-être qu'il manque d'eau là où ils sont, je ne sais pas. Hein. L'eau, c'est aussi symboliquement les émotions. Qu'est-ce que c'est encore l'eau? C'est fécond. L'eau, c'est la vie. Hein. L'eau, c'est la vie. Ça, c'est encore à peaufiner. Hein. En tout cas, ils observent secrètement. Pour eux, la solution, c'est d'observer. Alors, est-ce qu'ils observent quelque chose de la nature hein, qui pourrait, pour eux, leur permettre de revivre hein, ou de vivre mieux? C'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose donc de caché hein, qu'on ne voit pas. C'est comme si il y a un protocole ou un programme que leur permettrait de renaître, de faire renaître ce qu'ils veulent se voir accomplir et qu'ils ont bien défini. Ils se cachent peut-être parce qu'ils ont beaucoup de stress de se faire prendre, de se faire prendre, parce que ce serait très compromettant pour leur bien-être à eux. Alors ça, c'est encore un mystère, hein. Je ne sais pas pourquoi pour eux, ce serait compromettant de se faire prendre par nous terriens, hein. Alors, je ne sais pas, parce que c'est un côté divin aussi, quelque part avec la croix, la lanterne, c'est aussi le côté, c'est la petite flamme intérieure, hein, qui motive, c'est l'exaucement des vœux. La croix, c'est une transcendance, c'est aussi un peu du côté de l'au-delà. En tout cas, ils observent. Alors, ils observent la grange. C'est ce qu'on, c'est quelque chose de concret. C'est comme le blé qu'on engrange dans le patrimoine, dans la grange. En fait, c'est comme si ils observent où stocker peut-être leur énergie. Hein. Ça, ils observent. Alors, peut-être qu'ils veulent. Ça, c'est, je ne sais pas. En tout cas, l'ouverture, c'est. Ça pourrait être ces fameux trous de ver dans l'espace hein, où on passe d'un monde à un autre parce qu'il y a un partenariat. La Lune, pour moi, c'est une planète. Hein, ce n'est pas forcément la Lune, mais c'est de l'air de l'espace. De l'espace avec le taureau. Ça pourrait indiquer. Une force. Alors, si je considère que ça, c'est un passage, un accord avec
notre planète, ou bien ils viennent de là-bas, je ne sais pas. Le taureau, c'est de la bonne santé aussi. C'est quelque chose qui est costaud, hein, le taureau. Alors, est-ce que j'éclaircis encore le taureau? Ouais. Il y a les épices à un goût d'ailleurs. En fait, ces cartes-là m'indiquent que ils ont peut-être des choses à stocker et que nous, terriens, on aurait ce qu'ils cherchent pour stocker leur énergie ou leur nourriture, qu'ils font un partenariat peut-être avec d'autres galaxies, je sais pas, d'autres habitants de d'autres planètes. Parce qu'il y a les épices aussi, c'est encore ailleurs. Ça les renforcerait. Ça les renforcerait pour peut-être survivre, hein, parce que c'est comme si ils ne peuvent pas, pour le moment, garantir leur survie dans le temps. C'est comme s'ils sont en perte d'énergie. Ils sont en perte d'énergie. Bon, de l'énergie, ils en ont encore, mais c'est comme si c'est en prévision. Space, hein. Et en prévision, peut-être, je ne sais pas, j'imagine, hein, si c'est des extraterrestres qui habitent une planète où peut-être le soleil est en train de mourir ou la Terre est en train de s'assécher, ils savent que c'est, je sais pas moi, peut-être dans 10 000 ans, hein, ils sont déjà en train de travailler, de voir comment stocker sur Terre de l'énergie pour eux. Enfin, sur Terre, peut-être sur la couche d'ozone ou des choses comme ça, hein. Je vais éclaircir encore le blé. Il y a le fagot. Oui, ils sont en train de. J'ai l'impression que c'est plusieurs. Alors, c'est Space, hein, que c'est plusieurs extraterrestres de plusieurs planètes. Parce que là, il y a les épices avec le taureau, c'est de la force. C'est comme si, ensemble, ils y travaillent pour assurer leur avenir. Voilà, donc je suis un peu fatiguée parce que c'est très... pour comprendre ça, c'est quand même assez difficile. Que sont les ovnis? Voilà, j'ai un peu expliqué. Je vais peut-être faire un autre tirage par la suite. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Là, j'ai un peu cerné pourquoi ils sont là. Et donc, il y a quand même... je trouve qu'ils sont là pour préparer leur avenir. C'est l'impression que j'ai, hein. Et qu'ils sont en train de voir comment faire pour stocker de l'énergie commune avec peut-être d'autres extraterrestres, d'autres galaxies. Mais Lagrange, c'est comme si ils étudient la Terre alors la Terre, ça pourrait être aussi la nature, hein, pas forcément les humains. Il y a quelque chose dans la Terre, sur notre Terre-mère, la nature, qui les intéresse parce qu'il y a la crue, c'est l'eau, c'est la vie. Ils sont en train d'observer, peut-être pour reproduire cela chez eux. Parce que la grange, si on veut, c'est comme la boîte. Eux, ils ont, si on veut, l'argent, mais ils veulent trouver une boîte qu'ils n'ont plus pour stocker leur argent. C'est dans ce sens-là, hein. Voilà, alors j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de vos commentaires, hein, de vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Au revoir.